Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, il y a trop de mimi en Côte d'Ivoire, mais que Dieu nous protège. Amen. Contre les balles, les petites balles, façon, balles perdues, ça ne cherche pas. Ça ne connaît pas qui est mutin, qui est militaire, qui n'a pas porté tri, qui a porté tri. Que Dieu nous protège. Hein. Amen. Que Dieu vous donne des casques spirituels. Amen. Des gilets, des balles spirituelles. Amen. Il y a trop de filles maintenant, on se lève matin, on dit non. J'avais peur. Hein. Je devais aller pour une action prophétique. Je me lève le matin, on m'a appelé, on dit non, il ne faut pas voyager. Parce que tout est gâté dans le pays. Et puis on a vu ça sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, prions pour la Côte d'Ivoire. Nous, on a commencé à prier pour la Côte d'Ivoire. On n'a que la Côte d'Ivoire. On n'a que la Côte d'Ivoire. Et prions pour que. Parce que toi, tu sais, fille, et ta mémé, elle fait comment? Nia, Nia, Bia, qui est au village là. Elle fait comment? C'est un canne là-bas couler. Oh, le rébellion, là, ils ne connaissent pas le vieux. On a vu ici les gens qui ont vieillu, les vieux. Ah, vous ne savez pas ça? Vous n'êtes pas dans la nation ici. Même les garçons, on les sodomisait, les garçons, ils ont violé. On a sodomisé. Vous n'avez pas vu le monsieur qui parlait ici, les réseaux sociaux, pour dire mon ami garçon, c'est pas c'est la guerre, mais mon ami garçon, il m'a sodomisé, il pleure. C'est la guerre ne trie pas. C'est les gars qui sont des apaches. Je suis en train de vous dire, prions pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question de parti politique ou bien quelqu'un va venir. Non. S'il y a visible là, ça ne trie pas. Amen. Nous, on peut fuir. On a balé, dilé, balancé spirituel. Nous, on peut partir. On a visa partout dans nos passeports. Et toi? Mais on ne peut pas vous laisser. Donc, on ne peut pas souhaiter la guerre. Jamais on peut souhaiter la guerre. Jamais on peut souhaiter la guerre de nation. C'est pour ça que. Il faut que ce matin, Dieu apporte la paix à la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu désarme les cœurs. Parce qu'en réalité, il faut que les cœurs soient désarmés dans la nation. Oui, parce qu'il y a les calaches, mais ce que Dieu doit faire, c'est de désarmer les cœurs. Que les cœurs soient désarmés. Parce que nos mamans, elles avaient déjà crise cardiaque. Les petits, quand ils attendent, elles sont déjà mortes. On dit, ah non, elle est morte de sorcellerie. Oh, c'est le calache, la vie attendue, qu'il a achevé en même temps. Amen. Amen. Que Dieu apporte la paix à la Côte d'Ivoire. Amen. Oui, beaucoup de stabilité à la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Nous aurons l'inauguration de l'orphelinat le 15. Le 15 février prochain, nous allons ouvrir notre orphelinat. Nous sommes déjà en train de réculter le personnel de l'orphelinat. Nous sommes en train de réculter le personnel. Et l'ouverture sera le 15. Amen. Amen. Voilà. Nous demandons aussi à nos bien-aimés qui aimeraient vraiment soutenir le ministère durant toute l'année, parce qu'il y a des gens qui prennent des engagements pour dire 2017 là, chaque mois je vais soutenir le ministère. Appelez le secrétariat et puis vous faites signifier ça au secrétariat. Vous donnez vos noms pour que chaque mois vous puissiez donner vos soutiens. Non seulement ça à l'orphelinat, mais en même temps à l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand vous donnez l'argent pour l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénit. Voilà. Dieu vous bénit. C'est ça qu'il dit aux gens. Pas parce que le prophète Crasso a l'argent, mais le prophète Crasso sait que l'argent qu'il a là, c'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Donc il donne. Sinon, il allait me construire une maison. Il allait prendre moi. Il allait construire ma maison. Mais on a fait l'orphelinat. C'est pour l'œuvre de Dieu. Je loue mes maisons. Ici, partout, je loue mes maisons. Quand tu donnes, Dieu te bénit. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 27, la Bible dit que la vraie religion, pure et sans tache devant Dieu, consiste à assister les veuves et les orphelins dans leur affliction. Amen. Un homme de Dieu qui n'apprend pas à aider, qui n'apprend pas à donner, qui n'apprend pas à assister, moi je mets, ou même chrétien du moins, aussi, je mets sa chrétiennité en doute. Parce que la chrétiennité veut dire l'amour et partage. Dieu a aimé le qu'il a donné, il a partagé. L'amour de Dieu ne s'est pas arrêté à son niveau. Il a aimé qu'il a donné son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Pour nous, on se donne en sacrifice pour les autres. Parce qu'on vit pour les autres. Dieu a aimé qu'il a donné son Fils. Et c'est cela que Jésus, la Bible dit dans le livre de Jean, aimez-vous les uns les autres, sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mais dans la version grecque, nous dit, tout pratiquer l'amour, sans cela que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous pratiquez l'amour, or l'amour, ce n'est pas au bout des lèvres. On m'a bien saisi. L'amour, ce n'est pas au bout de l'élève. L'amour, c'est plus pragmatique. Hein? C'est plus pratique. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime et puis il ne prouve pas ça. Quel lui t'a jamais donné mon sou de pain. Hein? Ce n'est pas l'amour. Parce que quand on dit qu'on aime quelqu'un, on partage.
Quand on aime une personne, il y a forcément un geste. Quand tu aimes quelqu'un, tu oublies de faire son œuvre. Tu oublies de faire quelque chose. C'est pour cela que je vous encourage à aimer l'amour. On dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne faudrait pas que ce soit des paroles en l'air. C'est dans les gestes de chaque jour. Ce n'est pas que ce soit dans les paroles en l'air. Vous devez aimer et vous soutenez l'œuvre de Dieu. Frère, les partis politiques, il y a des gens qui sont dans les partis politiques, chaque mois ils donnent de l'argent aux partis politiques. Mais les partis politiques, c'est pour la terre. Ce qui est pour le ciel, c'est le ministère. C'est ça qui nous accompagne là-haut dans le ciel. Sur cela, moi, j'ai investi dans tout ce qui est de Dieu. Parce que demain, cette récompense-là, j'aurai ça dans le ciel. Ce qui est un homme seul, ceci est récolte. Les gens n'ont jamais fait pour l'œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais fait pour l'œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais fait. Mais vous ne serez jamais béni. Vous ne serez jamais béni. Amen. Amen. Voilà donc que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Voilà, les musiciens, commencez déjà à vous installer. Commencez à vous installer. Commencez déjà à vous installer. Nous sommes à l'école de prière. Tous les vendredis, cette année, tous les vendredis, ce sera l'école de prière. Nous avons commencé la semaine passée. Oui, à partir de 5 heures, j'ai commencé. À partir de 5 heures, j'ai commencé la dernière fois. Et maintenant, ça sera à partir de 10 heures. 10h ou 11h, nous allons commencer tous les vendredis une école de prière, vous enseigner comment prier. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ça va? Tu es bien arrivé. J'étais en train de faire du jogging dans mon quartier. Moi, je suis à la Palmeraie maintenant. La Riviera Palmeraie, vers Saint-Viateur, je faisais du jogging. J'avais trop pris le poids quand je suis arrivé des États-Unis. J'ai mangé les hamburgers, les pizzas, n'importe quel heure, j'ai marché. Donc j'avais pris trop de poids, donc je suis en train de courir. Et il m'a appelé. Il m'appelle sur mon téléphone. Il y a une urgence chez lui. Il dit attends. Et puis Dieu m'a dit, va chez lui, va rapidement chez lui. Il ne savait pas qu'il venait. En 15 minutes, il dit, je suis là. Il m'a dit, je suis venu en raf spirituel. En tant que maréchal. Ah, sa maison était minée. Je rentre chez lui directement, il y avait trois caméras. Dieu me montre une caméra à la rentrée de la porte, une caméra dans le mur, une autre caméra là-bas. Je suis allé rapidement détruire ses regards parce que sa maison était sous contrôle. J'ai détruit ses caméras. Et puis il a dit, c'est lui là qui est sorti de votre maison. Bon, en 10 minutes, j'ai fini mon opération, je suis parti. C'est comme ça que j'ai fait cette année maintenant. Amen. J'ai maintenu des maréchals maintenant. Ça va? Et le petit est là-bas? Oui, après on va voir tout ça. Un problème. On voit tout ça. On verra tout ça. Ils ont cassé le pied de sa femme. Oui, c'est ils ont cassé le pied de sa femme. Tout ça. Elle arrive à manger maintenant, ça va? Oui, ça va. Depuis que vous êtes passé. Après, acclame le Seigneur, depuis que je suis passé. Depuis que je suis passé, ça en bas. Le 1er janvier, non? Le 1er janvier. Son pied est cassé. Fracture. C'est d'où fracture? On a passé toute la journée à l'urgence. L'urgence. Le 1er janvier. Il y a une programmation de mort, vous voyez. Donc il fallait aller urgentement régler son problème. Voilà. C'est moi, je lui ai demandé de venir vendredi. On verra ça, tout ça. Amen. Amen. Maintenant, comme ça, j'ai intervenu souvent dans les cours pour aller réparer les choses. Cette année, c'est comme ça, on va sortir un peu. Pour aller un peu dans vos maisons. Fait des raves spirituels, qu'on descend, on regarde où ils ont mis les caméras, chez une marmite qui est là, on détecte la marmite, s'il y a un sorcier qui est là, on attaque la sorcellerie, et puis on consacre la maison, ce qu'on fait, puis il n'y a plus de sorciers là, j'ai fait ça, et puis je m'en vais. Voilà.